6 novembre qui gère le pays comme leur patrimoine familial se lève et annonce aux Camerounais la transformation de nos péages de l'époque moyenâgeuse en péages ultramodernes, des péages automatiques. Pour ne pas chronobluffer, il décide de commencer par 14 péages sur les 45 que compte le Cameroun. Il est question non seulement de réduire la fraude actuelle sur les redevances des péages, mais aussi de permettre à l'État de se faire un peu de beurre. Selon les prévisions qu'ils communiqueront au peuple, en 2021, l'État gagnera 5,482 milliards sur les 7 milliards de recettes que ces péages généreront cette année-là. Un argent qui va augmenter chaque année jusqu'à atteindre 48,995 milliards en 2039, année de la fin du contrat avec le constructeur. Ils vont passer le marché à la société Tolcam, un consortium français fait d'un mélange de Razel, Beck et de Gis. Le 18 mai 2020, le contrat de partenariat est signé pour un coût de 36,2 milliards. Ensuite, ils vont procéder à la pose de la première pierre le 10 décembre 2020 en Bankomo. Les péages devaient être livrés en 2021. 2021, aucun péage est livré, aucun argent généré. 2022, aucun péage est livré, aucun argent généré. Les péages automatiques somnolent toujours dans leur maquette. Mais curieusement, sans même avoir vu l'ombre d'un péage, les gens de 82 décident d'ajouter 5,8 milliards sur le montant initial de 36,2 milliards. Ça fait en tout presque 42 milliards. Si on divise 42 milliards par 14 péages, ça fait 3 milliards par péage. On a donc mis 3 milliards pour chaque péage. 2023, on a commencé à observer le démarrage des travaux. Nous avons décidé de fermer notre bouche qui parle de tout et de rien. Question de voir ce que les gens-là allaient nous sortir comme péage automatique. Ces jours, nous avons réalisé que finalement, les fameux péages sont sortis de terre. Chacun de nous peut donc déjà faire sa propre évaluation. D'abord, le rapport entre ce qu'on voit là et les montants débloqués. Ce qu'on voit là ressemble-t-il à quelque chose qui a pris 3 milliards? 3 milliards, c'est 1000 millions 3 fois. Il y a quoi de 3 milliards là-dedans? Les hangars, les petites guérites des sentinelles, les feux rouges ou alors les barres de fer des barrières de pluie. Qu'est-ce qui a finalement coûté 1000 millions 3 fois sur chacun de ces péages? Il est important que la CONAC, l'Agence nationale d'investigation financière, la Chambre des comptes et le tribunal criminel spécial offre des esquisses de réponses à nos questions. Ensuite, on parle de péage automatique. Ce que nous voyons là ressemble-t-il vraiment au péage automatique qu'on voit en Occident et même ici en Afrique? Est-ce que ça ressemble à ce qu'on voit au Sénégal? Automatique veut dire que ça fonctionne seul. On n'a pas besoin de solliciter l'aide d'un être humain. Une autre curiosité, quand on va finir de construire l'autoroute Yaoundé-Douala, ce qui va complètement réduire le trafic de cet axe qui tombera en désuète, finalement, on va faire comment pour gagner tous ces milliards qu'on compte engranger et mobiliser pour payer le loyer de 195 milliards aux fabricants de ces péages? Va-t-on, le moment venu, quand l'autoroute sera prête, démonter ces péages et aller les mettre là-bas? Si l'autoroute sera livrée d'ici là, pourquoi n'avoir pas attendu cette route pour installer une fois ces péages là-bas au lieu de faire des dépenses inutiles? Ou alors c'est une façon pour nos gens de nous dire que nous allons encore utiliser la vieille route-ci jusqu'en 2039, date de la fin du contrat avec les Français. Une manière de nous dire que même en 2039, nous n'aurons pas toujours d'autoroute. Autre chose, les Français de Tolcam, au bout de 15 ans, engrangeront un bénéfice de 143 milliards. L'État du Cameroun ne pouvait-il pas injecter lui-même 42 milliards et gagner aussi ce bénéfice de 143 milliards en 15 ans? Dernière curiosité, ailleurs, les péages sont installés sur des voies exceptionnelles, des voies rapides, des voies qui ne sont pas accessibles à monsieur tout le monde. Ce sont généralement des voies de contournement qui ne connaissent pas d'embouteillage. Ça veut dire que
quand tu ne veux pas emprunter la voie qui est utilisée par Monsieur Tout-le-Monde, tu peux emprunter les voies UP. Et là-bas, tu dois payer. Tu ne veux pas rouler sur la route des en bas d'en bas. Tu peux donc emprunter la voie des en haut d'en haut. Et c'est là-bas qu'il y a les péages. C'est comme ça dans les pays qui ont expérimenté les péages. Mais chez nous, on oblige les gens à payer pour utiliser la voie publique. La règle, c'est que le citoyen qui a son moyen de locomotion doit avoir la liberté d'aller d'un point du pays à un autre sans avoir à débourser un franc pour passer quelque part. Donc, ça veut dire que dans les zones où il y a le péage, il y a le choix entre la voie la plus laborieuse et non payante et la voie la plus rapide mais payante. Mais au Cameroun, on ne donne pas ce choix aux citoyens. On l'oblige plutôt à payer, ce qui est une atteinte grave aux libertés des populations de circuler d'un point à un autre à l'intérieur de leur pays. Bonne journée. Le Cameroun, qui n'est plus gouverné depuis longtemps déjà, est entré dans une phase de délitement. Plusieurs signaux, tant politiques, sécuritaires que socio-économiques et financiers, font craindre pour l'avenir de notre pays. Ceux qui ont réduit la direction du pays à la répression aveugle et haineuse sont manifestement dépassés et réduits à bricoler des solutions de survie politique. 41 ans d'errement, ça use les cerveaux et les esprits, même les plus brillants. Tout montre qu'il n'y a plus un commandant à bord du navire Cameroun et que seules des factions se servent des leviers de l'État au service de leurs propres ambitions. Chacun peut le constater. Pas un seul conseil des ministres depuis bientôt 5 ans. Fausse signature du président de la République. Cacophonie gouvernementale. Défiance publique entre les principaux responsables de l'État. Institutionnalisation du faux